rien. Devant le monde, c'est des actions. C'est des bonnes actions. Mais devant Dieu, c'est l'obéissance à sa parole qui compte. L'apôtre Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est quel amour que l'apôtre Paul parle? C'est l'amour de la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu dit que la femme ne prêche pas, vous savez, c'est un peu contraire à la mentalité du pays. C'est contraire à ce que la civilisation actuelle prêche. Mais nous, on ne suit pas la civilisation. On suit ce que Dieu a dit. Notre absolu, c'est ce que Dieu a dit. Dieu n'évolue pas. Dieu est éternel. Dieu n'est pas dans le temps. Ici, nous sommes dans le temps. Mais Dieu est en dehors du temps. Quand il dit que cette histoire, c'est noir, même si tu évolues, tu dis, bon, conventionnellement, on change de couleur, on appellera plus ça noir, c'est blanc. Mais pour Dieu, c'est toujours noir, parce que c'est une parole éternelle. Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de ce qu'il a dit. Quand il t'a déclaré saint, même si tu tombes aujourd'hui, pour Dieu, tu es toujours saint. Parce qu'il a dit, sept fois, mon juste tombera, sept fois, il se relèvera. Vous voyez, Dieu n'est pas comme un homme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, discernons le corps du Seigneur. Vous me direz que, comment cela est-il possible que quelqu'un demande la délivrance à Dieu, mais quand Dieu amène la délivrance dans sa vie, la même personne refuse cette délivrance-là? Oui, c'est ce qui se passe dans nos vies. Pourquoi? Parce que quand Dieu apporte la délivrance, il ne l'apporte pas selon ce que toi tu penses. Dieu fait ce qu'il veut selon sa volonté. Amen. C'est pourquoi il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions. Surtout mes sœurs africaines. Là, je suis un peu. J'utilise la discrimination. Supportez-moi quand même. Mes sœurs africaines, elles disent, ah Naomi, tu as une belle chaînette. Moi aussi, je vais acheter pareil. C'est un mauvais motif, ça. Alléluia. Amen. Dieu a dit, n'enviez pas. Vous savez, quand tu envies, l'œil, c'est la lampe du cœur. Et que tu commences à prier, Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'achète ces chaînettes-là, cette chaînette. Tout ça parce que tu avais vu chez Naomi. Donc le mobile qui te pousse à faire cette prière-là est charnel. Ce n'est pas Dieu qui t'a révélé cela. Ce n'est pas Dieu qui a mis cela dans ton cœur. La Bible dit, le Père agit, moi j'agis. Amen. Amen. Oui, tu me vois là. Moi, je n'existe pas. Mais tu me diras que j'existe. Mais non, je n'existe pas. C'est Dieu qui existe. Moi, j'existe par lui. Mais quand tu n'as pas le discernement, quand tu n'as pas la révélation, tu verras que c'est moi qui existe. Vous voyez ces meubles-là? Ces meubles-là existent.